ce regard. Lénine est mort. Qui avait dit « De tous les arts, le plus important, c'est le cinéma. » D'abord le regard, ensuite le cinéma, qui est l'imprimerie du regard. Un jour, un éléphant est arrivé à Moscou. Un autre jour, un canard. Nous avons oublié de vous dire comment. Le cinéma a tout vu. La guerre civile, encore toute proche. Mikhail Kaufman a tout vu. Ziga Vertov a tout vu. Eisenstein a tout vu. Et dans la foule, le cavalier rouge, Alexandre Miedvietkin, a tout vu. Première armée de cavalerie. Le cavalier Miedvietkin y inventait des pièces pour chevaux. Les cavaliers jouaient tous les rôles. La satire, la critique étaient leurs armes. Ils fonçaient sur la bêtise comme sur l'ennemi. Miedvietkin dira plus tard, c'est là que j'ai appris l'essentiel. Il regarde. Les yeux d'octobre s'ouvrent. Les mains prennent la relève des yeux. Lénine a dit, il faut savoir rêver. El Lissitsky invente des maisons nuages pour un Moscou futur. Partout se rassemblent les ingénieurs du rêve, comme à Vitebsk, Marc Chagall. Sortir l'art des musées, l'offrir à la rue. Mais les rues de toutes les villes, mises bout à bout, ne sont qu'une balafre sur le grand corps de la Russie. Le seul réseau qui unit tous ses membres, c'est le train. Tout de suite après octobre, les trains se mettent en marche. Par les trains, le sang de la révolution circule. Feu sur les généraux, avec l'image des généraux. Feu sur les nobles, avec l'image des nobles. Et pour la religion, des passe-boules en forme d'évêque. Agitation, propagande, culture, littérature, littérature, qui veut dire toutes choses imprimées. Et par conséquent, là aussi, le cinéma. Voiture cinéma. Traîneau cinéma. Bateau d'agitprop, porteur de films. Et quelquefois aussi, de caméra. L'image était muette. Le son aveugle. Le film se faisait dans les têtes. Ce qui n'était peut-être pas plus mal. Советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твердо стоит на том, к чему привык, осторожно относится ко всяким новшествам, проверяет сначала делом, par les trains, la voix de Lénine parcourt
l'Union soviétique, jusqu'aux républiques d'Asie, où les jeunes communistes alphabétisent des femmes harnachées. Et toujours le regard. Alors, comme aujourd'hui, Gavertov disait avoir trouvé un œil plus parfait que l'œil humain. Il l'appelait le ciné-œil. En fait, c'était le regard russe. Les années 20 s'achèvent. Des temps difficiles commencent. Les églises ne se maquillent plus en tank, ni les usines à gaz en théâtre. Plus de symphonies pour sirènes et sifflets. Après le grand concert futuriste, d'autres batailles vont être livrées. L'histoire d'une de ces batailles. Ce train, parti de Moscou le 25 janvier 1932, est sans doute l'héritier de tous les trains d'agitprop qui ont parcouru l'Union soviétique aux années 20, avec leur charge de messages révolutionnaires, quelquefois sous forme de films. Mais là, le cinéma était quelque chose venu d'en haut. On apportait au peuple le cinéma des cinéastes, comme on lui apporte l'art des artistes ou la science des savants. Ici, le cinéma allait se créer au contact du peuple et le provoquer à intervenir. Près de 40 ans plus tard, dans un wagon du dépôt de Noisy-le-Sec, un visiteur étranger nous raconte l'histoire du train. C'est Alexandre Ivanovitch Medviedkin, le cavalier rouge, qui faisait parler les chevaux. Этот поезд ничем не напоминает мой кинопоезд, который был 40 лет назад. И вагоны. Ce train ne ressemble guère à mon ciné-train d'il y a 40 ans. Les wagons ne sont pas les mêmes et la voie est plus étroite. Mais mes camarades de l'organisation Sloan m'ont persuadé de venir ici pour que mon récit soit plus concret, pour qu'il soit plus facile de comprendre dans quelles conditions nous avons travaillé. Cela s'est passé il y a longtemps et notre train était un peu particulier. Je ne dirais pas que c'était facile d'installer un studio de cinéma dans des wagons de chemin de fer. Mais nous étions jeunes et ça nous paraissait intéressant d'arracher le studio à ses fondations de pierre et de le faire entrer dans des wagons. De faire en sorte que ce studio, on puisse le transporter à travers notre immense pays, qu'on puisse filmer la vie de notre peuple
et immédiatement montrer cette vie à ce peuple et par là l'aider à construire un monde nouveau, ce qui était à l'époque notre plus grande préoccupation. Nous avons pris 3 voitures de voyageurs. Nous les avons vidées de leurs banquettes et de tout l'équipement. Nous avons libéré tout l'espace possible et nous y avons installé les postes les plus importants. Et d'abord, le plus important de tous, le laboratoire. Une moitié de wagons, je vous ai dit que les nôtres étaient plus grands que les wagons français, une moitié de wagons a été transformée en laboratoire. Nous avons mis des cuves et tout un système très compliqué d'écoulement d'eau. Un laboratoire a besoin de beaucoup d'eau. Et il a fallu installer les cuves sur le toit du wagon pour que tout se passe comme dans un vrai studio en pierre. Une autre moitié de wagon était transformée en salle de montage. 6 tables de montage auxquelles pouvaient travailler 8 à 10 réalisateurs. À côté du montage, il y avait un banc d'animation pour filmer les titres et faire des dessins animés dont le personnage principal était un chameau de remontrance. Il y avait encore une toute petite salle de projection, 2 mètres de long, et là se terminait le cycle complet de production. Nous pouvions arriver n'importe où, arrêter le train, faire nos films, les développer sur place et les montrer tout de suite aux gens qui avaient été filmés. Il y avait un sérieux problème, celui du logement. Chacun de nous disposait d'un mètre carré d'espace habitable. Vivre un an dans un mètre carré, ce n'était pas facile. Mais l'important, c'est que nous étions un groupe d'enthousiastes, de jeunes romantiques, qui étaient prêts à toutes les difficultés et qui n'en avaient pas peur. Nous acceptions de vivre dans des conditions pénibles. Nous pensions que dans un sous-marin, il y a encore moins de place, et regardez tout ce qu'ils font avec. Tout ça était très serré et nous demandait de grands efforts parce que l'équipe n'était pas nombreuse. Nous étions 32, il n'y avait pas de place pour un 33e, même romantique, et nous devions tout faire à la fois. Ranger les wagons, faire circuler l'eau, coller les films, les projeter, aller aux provisions, imprimer le journal du train, promener le chameau, toutes les tâches les plus diverses et les plus saugrenues. И работать в поезде мы делали сами, совмещая различные самые неожиданные профессии. Une fois le train installé, nous sommes partis pour l'Ukraine. Мы выехали на Украину. Вот я помню, c'est un voyage dont j'aime particulièrement me souvenir. Это рейс на Украину, где шла уборка. C'était l'Ukraine à l'époque de la moisson. L'époque était très difficile, très compliquée. Nos paysans commençaient à peine d'adopter une forme de travail collective, le kolkhoz. Les kolkhozes étaient encore tout jeunes. Les paysans n'étaient pas habitués aux formes collectives de travail et de production, et ce n'était pas étonnant qu'il y ait beaucoup de retardataires qui travaillaient mal et qui n'arrivaient pas à rentrer leur moisson à temps. Alors, nous avons commencé à filmer les exploitations les meilleures, les plus avancées, les plus intéressantes, qui pouvaient servir d'exemple aux autres.
Nous arrivions avec ces films chez les retardataires, nous les filmions aussi, et nous confrontions sur l'écran les bonnes méthodes et les mauvaises. Après la projection d'un tel film, nous prenions la parole. Alors, chers camarades, qu'est-ce que vous fabriquez? Est-ce qu'on peut traiter ainsi son propre pain, son propre temps de travail? Vous n'arriverez à rien comme ça. Et alors, commençait un débat au cours duquel les paysans eux-mêmes prenaient la parole avec beaucoup de chaleur, beaucoup de passion. Ils trouvaient eux-mêmes les raisons de leur retard et ils se mettaient tout de suite à organiser le plan de travail qui leur permettrait de rattraper les plus avancés de leur région. C'était une époque difficile. C'était le temps du premier plan quinquennal. C'était les premiers pas de la construction du socialisme dans le pays. Il était normal de se cogner à de grandes difficultés, et d'abord dans des domaines comme le blé, l'acier, le charbon. C'est pour cela qu'une fois la moisson terminée, nous sommes partis vers le sud, vers les aciers. Nous choisissions le four Martin, le plus en retard, celui où la production était tombée de 60 ou 50%. Nous cherchions les causes de ce retard. Pourquoi ça marchait si mal? Les raisons, il y en avait beaucoup. Elles étaient complexes. Ce n'était pas toujours facile d'atteindre le cœur du problème, mais c'était un travail utile. Une fois repéré ce qui n'allait pas, nous le filmions. Notre critique était directe. Nous ne faisions aucun effort pour arrondir les angles. Nous ne ménagions personne. Nous attaquions de front tous les problèmes qui existaient dans l'usine. Cette méthode de confrontation, de critique directe, d'intervention directe était très féconde. Cela donnait lieu à des discussions passionnées. On discutait longtemps et avec acharnement. Les avis se heurtaient. On découvrait ceux qui paralysaient le travail. On découvrait les raisons souvent dérisoires qui empêchaient de produire l'acier dans les temps. Et là encore, un programme était mis sur pied pour redresser la situation. Et maintenant, une histoire qui nous est arrivée. Dans la forge d'une très ancienne mine de Krivoy-Rog, nous avons remarqué que deux forgerons sciaient les crochets des wagonnets. Pourquoi faites-vous ça? Les wagonnets sont neufs, la peinture brille encore. Pourquoi les forgerons scient-ils les crochets? Et puis, il est apparu que depuis longtemps, depuis bien un an, ils faisaient des démarches pour qu'on modifie la construction de ces wagonnets dont les crochets avaient l'habitude peu pratique de s'ouvrir en marche. C'est pour cela qu'ils les sciaient et les remplaçaient par des crochets à eux, des crochets de forgerons, artisanaux, simples, mais qui du moins faisaient leur métier de crochet et tenaient sur les wagonnets. Nous avons filmé tout ça. L'usine se trouvait à une douzaine de kilomètres, nous y sommes allés. Nous avons convoqué une assemblée générale des ouvriers et des ingénieurs et nous avons projeté le film. Alors, chers camarades, qu'est-ce que vous fabriquez? Est-il possible de sortir de tels crochets, de tels wagonnets? Les ingénieurs ont dit tout de suite que faire des crochets et des wagonnets, c'était leur métier, qu'ils en faisaient depuis longtemps et que tout allait très bien. Mais il y avait le document. Alors, un forgeron s'est levé. Il ne savait pas bien parler, mais il a sorti son carnet de notes et il s'est mis à le feuilleter. Et voilà. Il y avait longtemps qu'il avait noté que les wagonnets n'étaient pas bien.
Il y avait longtemps qu'une commission était venue, il y avait longtemps qu'on leur avait promis de modifier la construction, et puis rien. D'autres ouvriers se sont levés et ont dit que le forgeron avait raison, qu'on ne pouvait pas travailler comme ça et qu'il fallait changer ce secteur de construction. Et comme il y avait le document sur l'écran, le plus réactionnaire des ingénieurs ne pouvait pas discuter. Le secteur de fabrication des wagonnets a été transformé et les ouvriers ont eu gain de cause. Alors, cela se passait tout au début de notre travail, alors nous avons compris une chose extrêmement importante. Nous avons compris que le cinéma pouvait être non seulement un moyen de distraction, un moyen de susciter des émotions artistiques, mais aussi une âme forte, puissante, capable de reconstruire des usines, et pas seulement des usines, capable d'aider à reconstruire le monde. Un tel cinéma entre les mains du peuple, c'est une arme terrible. Et évidemment, cela nous a donné de nouvelles forces. Et par cette expérience-là, nous avons su que nous pouvions beaucoup. Et là, nous avons touché aussi cette réalité que les auteurs d'un film ne sont pas seulement le réalisateur et l'opérateur, mais qu'il peut être signé par les héros mêmes des prises. Être avec le peuple, l'aider à prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses, soulever avec le peuple toutes les questions, c'est devenu la tâche essentielle du cinétrin. Et c'est par là qu'il a pu devenir un point de référence véritablement utile pour notre peuple. Très souvent, nous employions la satire dans nos travaux. Nous trouvions les côtés drôles de l'inorganisation et même de l'incompétence et de l'ivrognerie. À la longue, le rire était même devenu une des armes principales de notre travail. Voilà, c'est tout. Bien sûr, ce n'est pas tout. Il faudrait raconter 294 jours sur vous, 70 films, 91 bobines, 24 565 mètres montés et projetés, les milliers de kilomètres parcourus, Moscou, Dniepropetrovsk, Krivoy-Rog, la croisière kolkhozienne en Ukraine et en Crimée, la grande bataille du Donbass, les hommes du train. Ils étaient 32. 8 seulement sont encore vivants. La plupart sont morts à la guerre. Lifshitz, le sans-parti, qui avait découvert l'action politique en prenant une caméra. Tcheliakov, l'homme du labo, qui pouvait développer 2000 mètres par jour. Et Slonimovski, dit Slon, qui jouait comme personne le grand air de Rosemary. Et les comédiens du train, Maslatsov, Sibiriak, digne descendant du théâtre des chevaux et qui venait de la troupe de Meyerhold. Au centre de toute l'expérience, cette idée souvent répétée par Midvietkin. Se voir soi-même sur une photo, sur un écran, voir ses amis, sa rue, est toujours un événement émouvant. Cet événement peut être le levier d'une action commune. Nous n'avons pas seulement montré nos amis, nous avons glorifié leurs accomplissements et leur courage. Mais également, les yeux dans les yeux, nous avons critiqué leurs erreurs et leurs fautes. Et comme c'était des soviétiques, ils ont reçu cette critique avec un cœur pur. Il y a de cela 40 ans. L'histoire et la guerre sont passées par là. Et à part quelques photos, il ne reste plus une seule image du cinétrin. Peut-être un jour découvrira-t-on quelques signes de cette aventure exemplaire du cinéma soviétique. Mais s'il ne reste aucun film du train, il reste un film que le train a rendu possible. Un film de Midvietkin qui s'appelle Le Bonheur. Eisenstein le comparait à Chaplin, un Chaplin bolchevique. Ainsi le train, tout en répondant jour après jour à des questions immédiates, amassait également quelque part un matériau imaginaire. L'imagination n'était plus l'ennemi de la réalité, ni l'art de la vie.
работа в кинопоиске крепко связала нас. Le travail du ciné-train nous a liés étroitement avec le peuple. Il nous a aidés à comprendre son âme. Nous avons vu comment vivait le paysan, quelles étaient ses joies, ses peines, quels étaient ses désirs. Что он хочет. И вот там, в этом случае, я должен сказать. Et c'est là que j'ai rencontré un type de paysan très intéressant. Il était entré dans le kolkhoz, mais il n'y avait pas senti une force véritable. Il n'y avait pas vu son bonheur. Pour un paysan comme celui-là, la vie était difficile. On ne l'aimait pas beaucoup, on riait de lui, et il était très malheureux. C'est à lui que j'ai pensé pour faire ensuite mon film Le Bonheur. Chaque homme cherche le bonheur. Certains le voient dans les richesses, mais le paysan russe qui vivait très mal, très pauvrement, le rêvait à sa manière. Anton Pavlovitch Tchekhov a noté un jour dans son carnet « À quoi rêve le paysan russe ? Si j'étais le tsar, je volerais 100 roubles et je me sauverais. » Un proverbe russe dit « Voilà ce que pense le paysan. Si j'étais tsar, je mangerais du lard sur du lard et je dormirais. » Une telle idée du bonheur, avoir un morceau de pain, ne pas avoir faim, avoir son cheval, sa grange, avoir des biens à soi, avoir son sac de blé, une telle idée du bonheur, toute petite mais liée à l'incroyable dureté de la vie du paysan russe d'autrefois, c'est elle qui est à la base de ma comédie Le Bonheur. J'ai essayé d'y montrer la tragédie d'un tel homme, ses efforts pour se trouver, quelque part, un idéal de vie. Bien sûr, il ne pouvait pas se le rêver très vaste, il était très limité. Il le rêvait à sa manière. Et à sa manière, il cherchait à atteindre son bonheur. Et moi, dans ce film, j'ai essayé de raconter une histoire drôle et triste et tragique. L'histoire d'un paysan comme celui-là, Khmir, à qui rien ne réussissait. Il vivait très mal, comme avait très mal vécu son grand-père, son arrière-grand-père, comme avait mal vécu son père. Et voilà que d'une manière tout à fait inattendue pour lui, à la fin du film, il découvrait que d'autres pouvaient s'intéresser à lui, s'occuper de lui, les amis, les voisins, le gouvernement aussi. Et dans une ferme collective, il s'approchait du bonheur. Voilà l'histoire de notre film. Et c'est le ciné-train qui m'a enrichi pour toute mon existence d'idées et de thèmes. Il m'a fait aimer les thèmes qui venaient du peuple. Il m'a fait aimer la vie du peuple, ses rêves, ses espoirs, ses joies et ses douleurs. Si le ciné-train a enrichi la vie de Medvedkin, il n'a pas fini d'agir sur d'autres vies. Un groupe d'ouvriers français, réalisant ses propres films, s'est baptisé Groupe Medvedkin, pour rappeler à la classe ouvrière que le cinéma est une de ses armes, et aussi pour apprendre à regarder. Et le train, le ciné-train, il est devenu pour nous tous un peu mythique, comme si, malgré la différence d'écartement des rails, il avait échappé à son lieu et à son temps, pour s'identifier à tout ce qui avance, à tout ce qui bouge. Ciné-train, train de la révolution, train de l'histoire. Les signaux contraires ne lui ont pas manqué, ni les aiguillages. Mais l'erreur la plus grande que l'on puisse faire à son sujet, ce serait croire qu'il est arrêté.